Quel enfer. Bonjour. Moi je vais en haut. Bah tiens, hop, on va faire ça. Bon, déjà, il y a un rayon de terreur. La ruine. Merde, c'était presque du génie. C'était presque du génie. Là, c'était presque du génie quoi. Il me passait par-dessus, paf. Bon, je remonte là-haut, il y avait une trousse de soins. Du coup. Ah, il nous a tous blessés, là le problème, ouais. C'est bien joué de sa part, vu Katanato, c'est là que tu reconnais les mecs qui se précipitent pas forcément. Là, il n'y a aucun moteur qui a été validé et il a bien raison d'agir comme ça. Là, c'est vraiment utiliser Thanato à bon escient. Voilà. Nickel. Là, je me demande si je vais pas prendre la trousse de soin d'ailleurs. Bon, je suis bien là au moins. Bon non, je vais garder la caisse à outils. Ah, très bien. Nickel. Ah, la cave doit être en... Ah, la cave doit être en dessous. C'est merdier. Mais n'essaye pas de te libérer. On prend le temps. Voilà. Bon allez, vas-y. Pire plan.
Ah, si la Chili, c'est le merdier. Hein. Bon, je vois de toute façon que je suis pas le seul à y aller. Ok. Ah, dommage. Bon, du coup, je retourne là-haut. Ouais, vas-y si tu veux. Viens. Mais non, mais quel connard! Mais je veux te soigner! Je fais un auto-soin devant sa gueule! Alors, par contre, si la vocation d'infirmière, c'est la merde. Mais je pense pas. Ah, mais y'a quelqu'un en dessous de nous, je crois qu'il se fait poursuivre. Quel enfer! Ah, du coup, ça fait diversion. Mais c'est dommage. Parce qu'on aurait pu vraiment enlever le Thanato. Après, si la suture, si la suture est considérée comme un soin, c'est vraiment craqué. Hein, la vocation de l'infirmière. Cassez-vous de là. Il est où? Merde, il a eu. Chier. C'est tendu hein. Ça soigne dans tous les sens. Ah putain merde. Oh tu peux continuer. Mais il va tourner autour. Bon, écoute, il partira pas donc. What? Mais depuis quand?
Ah, dommage, hein. Et là, c'est con que j'ai payé la compétence. Oh, ça va, c'est la première fois. Oh, tu t'es fait griller. Mais pourquoi, j'ai pas compris pourquoi il a fait un auto-heal direct quand je l'ai libéré. Là, j'ai pas pigé. D'accord, bon alors par contre, si la personne n'échappe à la mort, c'est un peu la merde. C'est con qu'on puisse pas faire des emotes quand t'es suspendu sur un crochet. Genre viens ou là-bas. Genre viens. Viens, je te soigne. Là c'est tendu mais c'est une bonne game. Ah non. Non. Bon, au moins on sait qu'il n'y a pas personne échappe à la mort. On peut se permettre éventuellement de prendre une mythe. Ah mais c'est trop obvious, faut s'éloigner max. Parce que là il sait qu'on va aller vers cette porte du coup. C'est un peu con. Eh non, t'es en train de se faire poursuivre. Ah, il faut l'aider, faut l'aider. Non, fallait. Même on est tous là, donc il sait. Meilleur strat. Non, mais. Jamais il va. Jamais il va nous laisser partir. Donc, il sait pertinemment. Putain, faut me soigner. Mais non, mais te barre pas comme ça. Et il rage quitte. Mais non. Oh mais c'est baisé. C'est baisé. Mais merde, l'autre il rage quitte. On aurait tellement pu y arriver. Putain. Oh, je voulais qu'on s'en sorte tous les quatre. Ah, j'aurais, en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est foncer à gauche, faire le grand tour en fait. J'aurais eu le temps. Le gars il aurait été convaincu qu'on était au niveau de la porte, il aurait pas cherché derrière quoi. Donc comme ça j'aurais pu contourner, libérer, tenter un truc, même quitte à partir à l'autre porte. Putain j'aurais dû, quel con. Trop con.